Après s'être identifié, on clique sur l'icône de LastPass qui nous ouvre un menu contextuel qui nous permet d'ouvrir le coffre-fort, de voir la liste des sites déjà enregistrés, des formulaires, de générer également un mot de passe sécurisé, d'ouvrir les notes sécurisées. Par exemple, pour générer un mot de passe sécurisé, voilà, on peut déterminer la longueur du mot de passe et avec les options fichiers, on peut également voir si on doit le rendre prononçable et quel type de caractère on peut utiliser, ainsi que le nombre de chiffres minimum. Pour créer un nouveau mot de passe dans LastPass, on choisit Site. Donc LastPass nous affiche la liste des dossiers déjà créés et on peut ajouter un site qu'on va renseigner. Donc là, on aura l'URL du site, le nom, le dossier dans lequel on veut l'enregistrer, le nom d'utilisateur, donc ça sera le login, et le mot de passe. On peut, en cliquant là, afficher le mot de passe. On a également la possibilité d'insérer des notes et de désactiver ou d'activer le remplissage automatique, de l'ajouter aux favoris, de préciser s'il est nécessaire de ressaisir le mot de passe ou si l'on peut se connecter automatiquement. Pour ajouter une note sécurisée, on clique donc sur Note sécurisée, Ajouter une note sécurisée. Et là, on a cette fenêtre qui s'affiche avec donc la possibilité de mettre le nom, de l'enregistrer dans le dossier de notre choix. Et on peut également choisir le type de note que l'on veut insérer. Ça peut être par exemple un compte bancaire, une carte de crédit, un compte mail, une adhésion, un passeport, un serveur, une licence logicielle. On va choisir cette hypothèse et on a ce formulaire donc qui s'affiche avec le numéro de licence, la version, l'éditeur et toutes les infos dont on peut avoir besoin pour sauvegarder ces informations.